Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler cette fois-ci d'un nouveau produit que je conseille lorsque vous voulez faire des soins ou une espèce de routine de toilettage à votre chien, c'est tout simplement les produits Bamboo Stick. C'est pas la première année que j'en utilise, c'est déjà... Enfin, je n'utilise pas non plus 10 milliards, ce qui est quand même 30 bâtonnets par paquet, donc c'est le deuxième que je rachète, mais ça fait des années que j'en utilise et que j'adore ce produit. Donc ce sont les cotons-tiges pour chiens que je recommande le plus, même si, encore une fois, c'est pas le coton-tige qui est le mieux pour nettoyer, mais moi j'aime bien, c'est pour pouvoir nettoyer les petites interstices qu'on voit de l'extérieur, mais pour le reste j'utilise bien un spray pour les oreilles, et après c'est pour venir peaufiner, mais en premier on utilise bien un spray, et pas que les petits cotons. Mais j'aime beaucoup parce que bah, les cotons ne sont jamais partis des bâtonnets jusque là, jamais eu de soucis, les bâtonnets n'ont jamais craqué, ça a une longueur suffisante pour pouvoir aller bien dans l'oreille du chien, etc. Ils ont vraiment une forme qui permet vraiment aussi de nettoyer, même dans des oreilles de chihuahua, de nettoyer les petits arrondis, les petits interstices, parce que j'en avais beaucoup qui avaient des saleté en extérieur, mais passé avec un gros doigt avec une lingette, j'avais l'occasion de régulièrement me faire mordre. Avec les Bamboo Stick, j'ai jamais ce souci là. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi il ressemble. Donc on est sous ce format, donc même sur une petite oreille de chihuahua pour pouvoir faire dans les petits sillons qu'on voit sur l'oreille externe, ça c'est bien bien pratique. Encore une fois, je le répète, le fait que si je vous allez directement dans l'oreille interne sans avoir pré-nettoyé, vous risquez d'enfoncer encore plus le cérumen et que ce soit encore plus... ça risque de causer des otites. Donc ça, on y va vraiment après avoir nettoyé l'oreille via des sprays oculaires, auriculaires. Des sprays auriculaires qu'on va pouvoir utiliser, qu'on achète soit chez le vétérinaire, etc. Vous pouvez après ensuite pouvoir nettoyer avec ça, ou pour faire l'entretien extérieur. Je préfère bien bien le répéter, on ne le dit pas assez. Donc voilà le petit stick que j'achète. Donc ça je les paye 5 €, je crois que c'est frais de port inclus. Il y a le site de Bamboo Stick, de toute façon il ne vend que ça. Après je pense qu'il y a d'autres boutiques où est-ce que vous pouvez les retrouver. Mais j'ai vu, je crois, notamment la compagnie des animaux, quelque chose comme ça. Donc vous avez deux formats possibles. Donc ça, moi je prends la taille SM et il y a la taille LXL, donc c'est bien ça. Donc le SM, il le conseille pour tout ce qui est Beagle, Jack Russell, Staffy, caniche standard. Westie, moi je vous dis, même pour le chihuahua, chien chinois, ça passe largement. Bulldog français aussi. Et pour les tailles LXL, ils disent pour le cavalier King Charles. Pourtant c'est un petit chien, je vois pas spécialement. Cocker spaniel pareil. Sinon boxer, berger allemand, golden retriever, labrador, pointer, etc. Là par contre ils citent beaucoup de chiens à oreilles basses. Donc on commence à avoir des otites. Donc comme ils disent, le conseil d'utilisation, verser quelques gouttes du liquide nettoyant sur le conduit auditif, masser la base du conduit auditif et ensuite utiliser Bamboo Stick pour réabsorber le liquide résiduel, éliminer les saletés et les sécrétions. C'est bien, c'est que j'avais encore jamais lu le truc derrière, mais qu'on est 100% d'accord, ça va, je suis logique. Et pareil, au niveau des paquets, vous avez soit à 5 € le paquet de 30, ou à 6 € le paquet de 50... C'est ça, le paquet de 50 bâtonnets, j'ai regardé mes petites notes en arrière. Donc voilà, petit produit que j'aime beaucoup avoir et que je vous recommande pour pouvoir faire l'entretien des oreilles de Toutou. Donc voilà, j'espère que cette toute courte vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissiez les Bamboo Stick. Moi, je crois que j'ai dû les connaître à l'époque où je prenais encore des box pour chiens. Autant vous dire que ça remonte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!